Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV et je suis très heureux de vous retrouver ce soir les Nuréens pour une émission en compagnie d'Anton et Anaël Parks qui nous rejoignent sur Nuria pour nous parler d'un personnage pour le moins controversé. Ce soir nous allons revenir sur le parcours et les travaux du célèbre Zakaria Sitchin. Petite précision avant que nous ne démarrions cette émission, elle n'est pas en direct, nous l'avons enregistrée quelques jours avant sa diffusion. A tout de suite sur Nuria TV. Bonsoir Anaël, bonsoir Anton, je suis très heureux de vous retrouver tous les deux, chose qui n'est pas ordinaire, sur notre modeste antenne de Nuria TV. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Alors ce soir on se retrouve, Anaël, moi j'ai eu la chance de t'interviewer à plusieurs reprises ces derniers mois. Ce soir je te retrouve en compagnie d'Anton parce qu'on va parler, déjà j'en parlais dans l'intro tout à l'heure, d'un auteur relativement controversé qui est en lien avec les travaux qu'Anton tu nous proposes depuis des années et sur lesquels vous allez tous les deux nous apporter votre éclairage. Il y a un livre qui est sorti en 2022, ça s'appelle Les Agents de l'Apocalypse, un gros bouquin écrit... Et j'ai mis du temps à lire celui-là parce qu'il est écrit, c'est une police qui est pas énorme, donc il y a énormément de contenu. Et ce bouquin est sorti en 2022 et revient notamment sur le parcours, sur les travaux de Zakaria Sitchin et nous explique en gros dans quel contexte s'articulent ces travaux et la sortie des révélations dont Zakaria Sitchin nous a gratifié à partir des années 70, 76, je crois. Et ce soir, on va faire un petit tour autour de tout ça et voir qu'il y a pas mal d'opacité autour du personnage de Zakaria Sitchin. Mais avant cela, ce que je voulais vous demander à tous les deux, c'est de présenter un petit peu à nos auditeurs votre parcours, vos travaux, et là aussi, dans quel cadre s'articulent vos travaux à tous les deux. Je vais peut-être donner l'honneur aux dames. Et Anaël, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement en quoi consistent vos écrits et vos recherches? Alors, je me présente vraiment béaba pour ceux qui ne me connaîtraient absolument pas. Je suis Anaël Parks, l'épouse d'Anton Parks. Alors, je suis aussi auteure et chercheuse. D'une part, j'ai retranscrit les visions que j'ai reçues dans une série qui s'intitule « Les chroniques de la maîtresse du temple ». Et d'autre part, je poursuis des essais de recherche purs et durs qui sont argumentés, qui sont documentés, notamment dans deux ouvrages, « Silphium », qui retrace la découverte d'une plante perdue, et « La déesse cachée et l'arbre de vie » qui vient de paraître aux éditions Nouvelle Terre. Qui vient de paraître. Alors là, tu vois, tu m'apprends quelque chose durant cet enregistrement, parce que moi, je l'attends impatiemment, ce livre, depuis le temps qu'on en parle au cours de nos dernières émissions. Ce qui veut dire que très bientôt, on va peut-être pouvoir en parler tous les deux et revenir sur ce livre qui est très attendu. J'ai hâte. Et impatience partagée. Et de ton côté, Anton, toi, alors on te connaît depuis un peu plus longtemps qu'Anaël, avec les chroniques de Guircou, le livre de Nuria, hein. C'est toujours sympa de le citer sur cette antenne. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la base de tes travaux et comment ils s'articulent? Tout a démarré. En fait, mon premier livre sort en 2005 et tout démarre par la retranscription de mes visions, donc à travers la série des chroniques du Guircou. Donc, premier livre, Le secret des étoiles sombres en 2005, et puis voilà, je sors un livre à peu près tous les ans, voire tous les deux ans. Voilà, donc là, je travaille sur mon 13e ouvrage. Là, en ce moment. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle être prolifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas votre approche, vous parlez de temps antédiluvien, généralement, dans vos travaux. On parle de l'histoire de l'humanité, voire de sa genèse. Et votre travail s'articule tous les deux sur deux axes. Il y a un travail que je qualifierais d'intuitif, qui se base sur des visions que vous avez tous les deux, que vous partagez sur cette période antédiluvienne, et un autre travail qui va peut-être plus nous intéresser ce soir, puisque c'est là-dessus qu'on va articuler cette émission autour des travaux de Zakaria Sitchin et de sa traduction des tablettes sumériennes. Un travail de recherche qui, lui, est purement intellectuel, analytique, et qui rejoint les grands travaux autour de l'archéologie antédiluvienne. Anton, toi, tu es réputé pour traduire ces fameuses tablettes cunéiformes, les tablettes sumériennes. Ce que je voudrais que tu nous expliques, c'est comment toi, tu as
pu apprendre à décrypter ces artefacts et en tirer de la connaissance sur notre histoire. Bah, tout a démarré grâce à toutes ces choses que j'ai reçues, que je reçois encore ponctuellement, mais je mets une casquette pour être tranquille, donc ça me permet de ne plus recevoir. En fait, comme je l'explique assez souvent, la langue que j'ai toujours reçue lors de ces captations, c'est du sumérien. Il m'a fallu un temps considérable dans les années 80, on va dire, pour décoder, comprendre que c'était finalement du sumérien. Et à partir du moment où j'ai découvert que c'était du sumérien, vers 2002, 2001, 2001 plutôt, j'ai commencé à travailler sur le sumérien d'une façon autodidacte, en me basant sur des travaux d'éminents chercheurs, hein, bien entendu. Et puis, il existe aujourd'hui, heureusement, énormément d'outils, de dictionnaires, de lexiques qui permettent de pouvoir traduire convenablement du sumérien. Et je me le cache pas, hein, dans tous mes livres où je traduis du sumérien, je présente ma façon de traduire justement le sumérien. Déjà, je donne à chaque fois, bien entendu, les numéros de tablette, d'où elles proviennent, les facsimilés, et j'explique bien souvent, chose que pratiquement personne ne fait, et si Chine ne le faisait pas, comment traduire du sumérien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui te permet aujourd'hui de pouvoir apporter un regard critique sur les travaux purement intellectuels de Zeka Sitchin. Ce soir, on va voir qu'il n'y a pas que ça dans le contenu de cette émission, puisque on va analyser ses travaux à la lumière de son parcours, et on va voir que il y a quand même des questions qui émergent de ce parcours-là. Mais en tout cas, oui, toi, tes travaux sur les traductions de ces fameuses tablettes sumériennes sont soumis à la critique. Tu donnes les sources, tu donnes tout le matériel, en gros, pour que quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec toi peut, dans les règles de l'art, contredire ta traduction à toi. Donc, déjà, merci de fonctionner de la sorte, parce que tu le rappelles, tout le monde ne le fait pas, et on va voir que Zeka Sitchin, c'est un petit peu aléatoire la manière dont il tire des conclusions des tablettes sumériennes et de la manière dont il brouille les pistes. Justement, Zeka Sitchin, parlons-en. Il y a ce livre. Je le présentais en préambule, Les agents de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a incité à prendre du temps? Parce que je sais qu'un ouvrage comme ça ne s'écrit pas en 3 semaines. Il y a énormément de recherches, énormément d'écritures autour de ça. Qu'est-ce qui t'a incité à consacrer du temps à Zekaria Sitchin, à son parcours, et à nous livrer toutes les ficelles autour de ce personnage un peu sulfureux? Il m'a fallu à peu près 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans pour écrire ce livre. Après, je travaille sur différents livres en même temps aussi, hein, donc quand il y en a un qui est un peu plus abouti, je sais au bout d'un moment que ça va être celui-là qui va sortir. Donc j'ai beaucoup de travaux en cours, notamment aussi avec mon épouse. On a aussi des projets de livres qui sont en cours. Ça va finir par sortir. Donc le déclic, en fait, ça a été tout simplement déjà, ne serait-ce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux Sumériens, donc en 2001, et que j'ai lu La 12e planète comme tout le monde, il y a quelque chose qui ne collait pas chez moi, enfin, dans ma compréhension de l'univers des Sumériens, parce que je n'avais jamais vu cette histoire de 12e planète nulle part. Et au-delà de ça, le vrai déclic a été en 2006, quand j'ai eu Jerry Zeitlin et sa femme Malou au téléphone. On s'est eu deux, trois fois au téléphone, et la première fois c'était en 2006. Et Malou Zeitlin, qui travaillait à la NSA, National Security of America, m'a expliqué, on a évoqué Sitchin, hein, puisque j'étais dans le créneau des Sumériens, et elle m'a dit, ah, mais Sitchin, c'est un agent. Et ça, c'est resté dans un coin de ma tête. Et effectivement, ça faisait pas mal d'années que je voyais régulièrement, même sur Internet, des gens qui disaient, oh, mais c'est un agent, Sitchin. Mais en fait, rien, rien de concret, rien, zéro. Donc, j'ai attendu, j'ai dit, bon, j'ai autre chose à faire que de m'intéresser à tout ça, j'ai plein de travaux. Et puis, vers, c'était quand, est-ce que c'est elle qui m'a incité à sortir ce livre, finalement? À l'origine, ça devait être un dossier. Et oui, je devais finaliser l'oracle de l'oiseau tonnerre, donc il y a le tome 4 des chroniques, et elle me voyait travailler sur ce projet-là. Et puis, ça faisait déjà un bon moment, et elle m'a dit, mais
quoi, il te reste combien de temps encore à travailler là-dessus? Je dis, oh, quelques bonnes semaines, voire des mois. Il dit, mais ça, c'est un livre. Je dis, mais je vais pas écrire un livre sur le parcours de Sichine, comment il est devenu agent, enfin, etc., quoi. Mais si, ça peut intéresser des gens, effectivement. Donc, c'est elle qui m'a incité à sortir ça en tant que livre. Elle a eu bien raison, et c'était vraiment absolument incroyable de travailler là-dessus, parce qu'en fait, ce livre, toi qui l'as lu, tu as dû remarquer que Sichine, on n'en parle finalement qu'à peu près qu'à la moitié du livre. Hein. Il y a tout un processus qui explique un peu le contexte historique qui va emmener et qui va mener au front des personnages comme Sitchin à devenir agent. Voilà. Oui, effectivement. Alors, dans ce livre, il y a une grosse partie historique. Alors, ça, moi, je trouve ça passionnant. J'adore redécouvrir l'histoire, voir les trames inédites de l'histoire, parce que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Elle est souvent partisane. Donc, on apprend une histoire qui est ce qu'elle est, qui est une vision d'un côté de l'objet. Et puis, quand on se penche de l'autre côté de l'objet, avec un autre éclairage, on apprend des choses. C'est ce qui se passe dans ce livre. Alors, Zekaya Sitchin, on va le découvrir, ce parcours assez mystérieux, avant qu'il devienne l'auteur célèbrement et mondialement connu pour ses travaux en archéologie sur les Anunnaki, sur Nibiru, etc. Et justement, à partir des années 76, émerge cette figure de Zekaya Sitchin comme chercheur alternatif. Quelles sont, Annaëlle, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes trames des théories de Zekaya Sitchin? Qu'est-ce qu'il présente au public dans ses ouvrages à partir des années 70? Et qu'est-ce qui fait de lui un auteur qui devient mondialement connu et relativement célèbre? Je vais m'exprimer, après je vais laisser la parole à mon mari. Pour ce qui est des grandes trames, je dirais que du point de vue grand public, Sitchin, il est connu pour deux choses principales. Avoir vulgarisé la théorie des Anunnaki, c'est quoi? Bon, on va dire en gros, c'est des grands types extraterrestres qui sont venus sur Terre pour exploiter l'être humain et le modifier génétiquement en débarquant de leur planète errante Nibiru. Et d'autre part, une théorie qui étonnamment ne lui appartient pas, c'est-à-dire la fin du monde en 2012. En 2012, on a revu sortir les théories de Zekaya Sitchin complètement hors de contrôle. On lui a attribué une prophétie autour de la fin du monde qui, pourtant, quand on s'est penché là-dessus avec Anton, n'avait rien à voir avec ses travaux. Donc ce monsieur est connu étonnamment pour deux choses. Une chose dont on va le voir qui n'est a priori basée sur aucun texte véridique, c'est-à-dire la planète Nibiru avec des Anunnaki dessus qui débarquent sur Terre pour coloniser, exploiter des mines d'or et modifier génétiquement l'être humain. Mais des petites nuances, hein. On va voir qu'ensemble, quand même, il a pris des éléments qui font sens et qu'il les a arrangés pour faire coller à une thèse qu'il avait préfabriquée. Et d'autre part, un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il a écrit, la fin du monde. Je te laisse compléter ce que j'ai pu dire. Non, puis il faut savoir que cette histoire de 12e planète, ça fait un bon moment qu'on la recherche, hein, et bien avant Sitchin, hein. Au début 1900, il y avait déjà des astronomes qui cherchaient la 12e planète, puisque on sait que au-delà de Jupiter, il y a des soucis, il y a des fréquences qui sont pas normales, il y a des agitations là-bas qui sont pas normales. Donc on pense qu'il existerait peut-être une 12e planète. Et moi, je suis pas contre cette idée. Je tiens vraiment à le préciser ici, là, maintenant, à nouveau, je suis pas contre cette idée du tout. Moi, je suis contre l'idée que contre la version de Sitchin qui prétend qu'il a trouvé trace de ça dans les textes sumériens. Il n'y a pas un seul texte sumérien qui parle de ça, qui parle de cette 12e planète errante qui reviendrait cycliquement et sur laquelle vivraient des Anunnas. Ça n'existe nulle part. C'est une invention de Sitchin, c'est très clair. Je le démontre à la fin du livre, assez clairement, il me semble. Et en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et voilà, il n'y a aucun texte qui parle de ça. Je suis catégorique, hein. Depuis le temps que je traduis du sumérien et que j'ai le nez dans les textes sumériens akkadiens, parce qu'il faut savoir qu'une grande, très grande majorité des textes sont en ligne aujourd'hui grâce à des universités. Donc tout est disponible. N'importe qui peut vérifier aujourd'hui. C'est facile.
D'accord. Donc, en gros, tu es en train de nous dire que Zeka Sitchin, la littérature proposée par cette personne, relève plus de la science-fiction que de bases solides en termes de recherche. Ça relève de l'appropriation. Peut-être il serait plus, voilà, pour rendre quand même à César ce qui est à César, de l'appropriation, une interprétation très personnelle Oui. pour faire coller des textes existants, puisqu'il se sert dans certains cas de textes existants. D'autres fois, il invente carrément. En tout cas, voilà, on le soupçonne qu'il est totalement inventé de toutes pièces, n'ayant aucune preuve pour accréditer sa théorie. Mais ce qui est certain, c'est que son point de vue très personnel, sur la question a certainement influencé des traductions qu'il a faites ou pas. Et c'est aussi un des aspects que tu abordes dans ton livre. Peut-être, tout simplement, ne savait-il pas traduire le Ah cunéiforme en bah, aucun cas. parfois, je me demande s'il savait traduire du cunéiforme. Je suis désolé d'en arriver là, mais certaines de ces traductions proviennent de traductions antérieures. Ils changent juste quelques mots. Mais ça, c'est une technique que d'autres personnes utilisent encore aujourd'hui, hein. C'est pas compliqué, hein. Moi, j'ai la chance de traduire du sumérien, et mes traductions sont assez différentes quand même. Et je l'explique. J'ai fait plusieurs dossiers dans plusieurs de mes ouvrages. Et par exemple, notamment un texte sur la mort de Zeri Senki, traduit par Jean Bottero et Kramer. Et ben, je donne ma version, je donne la version de Bottero et de Kramer. Parfois, elles se combinent parfaitement, et parfois, et même assez régulièrement, il y a de gros changements. C'est pas, c'est, on voit pas les choses de la même façon. Et Mais j'explique pourquoi. voilà, tes partis pris sont toujours Ouais, argumentés et tu bien es sûr. totalement transparent dans ta démarche, ce qui est à l'antithèse de Sitchin qui a créé une opacité volontaire, délibérée, qui pouvait tout à fait passer dans les années 70, puisqu'il n'y avait aucun expert qui vulgarisait activement ce type de découverte. Enfin, d'ailleurs, toute découverte en rapport avec la Mésopotamie était réservée quand même, on va dire, à une élite intellectuelle, et la vulgarisation était très mince, et la transparence des travaux n'était absolument pas garantie par Sitchin, bien au contraire, alors qu'aujourd'hui, on est en mesure, si on a envie d'être autodidacte, d'être, voilà, en accès sur des, on va dire, des ressources universitaires, comme tu l'expliquais très bien. Et ça fait toute la différence et ça fait qu'on révèle des parts d'ombre dans ton ouvrage sur ce personnage sulfureux qu'est Sitchin. Oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Sitchin démarre sa carrière à la retraite. Qu'est-ce qu'il a fait avant? C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui va. C'est surtout là-dessus que je me suis intéressé, moi, dans ce Et livre. c'est ce dont parle le livre. Alors pour finir et bien faire comprendre tous les tenants et aboutissants à nos auditeurs sur cette traduction des tablettes sumériennes, dans les années 70, quand paraissent les premiers ouvrages de Zeka Sitchin, les tablettes sumériennes, c'est un sujet qui est relativement récent. Donc forcément, il y a moins de points de comparaison, il y a peut-être moins de chercheurs qui s'intéressent à tout ça, notamment dans le milieu universitaire. Aujourd'hui, en 2023, ça, à la louche, ça représente quel nombre de personnes, quel volume de recherche, le travail sur les écrits sumériens. Est-ce qu'il y a de nombreuses personnes qui s'y intéressent et qui travaillent sérieusement sur le sujet, ou ça reste encore un sujet qui reste relativement marginal dans le domaine de l'archéologie? On va dire, ça reste marginal hein, dans l'ensemble. Hein. C'est quand même un langage qui est compliqué à traduire. À la louche, entre les années 70, on va dire non, 60 à 80, 90, il y avait une centaine de personnes qui traduisaient du sumérien. Aujourd'hui, il doit en avoir 300, 400, 500, mais ça reste. Voilà, assez marginal, peu connu, ça prend beaucoup de temps. Moi, personnellement, quand je traduis une tablette sumérienne, je ne fais pas ça en un claquement de main, ça prend des semaines et certaines des mois. Donc, D'accord. ça prend énormément de temps. Si je peux me permettre de compléter ce que tu dis, il faut bien comprendre que le cunéiforme, c'est une manière de coder plusieurs langues différentes. Comme tu l'expliquais, toi, ton centre d'intérêt, ça peut être le sumérien, l'akkadien. Toi, tu ne travailles pas sur le louvite, mais ça fait partie, par exemple, des langues qui ont été retranscrites en cunéiforme. En fait, c'est une variété. Il y a plein de choses qui sont regroupées sous le cunéiforme. Donc, on ne peut pas juste traduire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut du contexte. Il faut quand même avoir un petit peu de connaissances. Il faut avoir un background pour analyser une tablette. On ne peut pas l'apprendre comme ça, arriver avec son codex et penser arriver à la traduire. Et d'autre part, j'invite aussi nos auditeurs à réfléchir à la question des intelligences artificielles qui, de certaines universités, nous ont promis de parvenir à une traduction totale et absolue
lu de l'ensemble des collections qui ont été jusqu'ici référencées. Moi, je vous invite déjà à marquer les déboires sur des langues très simples et parler encore aujourd'hui. Alors imaginez une langue que plus personne ne parle et dont on ne peut pas forcément nous expliquer le contexte de rédaction et qu'une intelligence artificielle qui ne prendrait pas en compte une erreur, une typo ou une codification symbolique, car ça arrive et c'est quelque chose que j'aborde dans La déesse cachée et l'arbre de vie. Il y a la symbolique d'un caractère cunéiforme qui évolue dans le temps, qui est très intéressante à analyser. Elle tourne autour de l'arbre. Je vous en dis pas plus, ça sera le sujet d'une autre émission. Hasard du calendrier ou pas, il y a tout juste une dizaine de jours, j'accueillais David Perroux, un de nos invités sur Nura TV, et on a consacré une émission entière aux intelligences artificielles. J'aime beaucoup quand les émissions s'imbriquent les unes avec les autres et permettent à nos auditeurs, encore une fois, de comprendre un peu mieux tous ces sujets-là. Donc, années 70, Zecharia Sitchin sort ses premiers livres. Comme tu dis, Anton, ce monsieur est à la retraite. Oui. Donc, le personnage mondialement connu autour de l'archéologie, qui est Zecharia Sitchin, pardon, je vais arrêter de massacrer son prénom, c'est bien Zecharia, a une vie avant la vie d'auteur en archéologie alternative. Et là-dessus, on a très peu d'informations. En tout cas, elles sont publiquement très difficilement accessibles. Comment, toi, tu as procédé pour creuser et aller retracer le parcours de cette personne? Les coupures de presse de l'époque, où là, on trouve trace de Zecharia Sitchin en tant que businessman. Mais il faut vraiment aller profondément dans le web pour trouver trace de tout ça. Et puis, il y a eu aussi, par chance, un reportage qui est sorti, hein, qu'on a regardé ensemble. Qui a été diffusé par la fondation de M. Sitchin. Voilà, qui est sorti en 2020, qui là explique davantage quand il est arrivé en Palestine, hein, puisqu'il vivait en Azerbaïdjan. Et puis, comme la plupart des Juifs de l'époque, malheureusement, ils ont fui les persécutions. Donc, de mémoire, c'était en 1925. La famille Sitchin décide d'aller à Tel Aviv, qui est la première ville moderne en Palestine à l'époque. Première ville câblée avec l'électricité, université, école, lycée, opéra. Et un vrai jardin, quoi. Et c'est vraiment... cet endroit-là où ils vont aller se réfugier. Donc, ils font un voyage. Alors, on a mis une carte qui propose ce voyage de Sitchin en 25. Donc, on voit qu'il va de Bakou en Azerbaïdjan. C'est ça. Qui passe par Odessa, qui actuellement se trouve en Ukraine. Oui. Et puis, pour aller, mettons des mots clairement, un retour sur la terre ancestrale du peuple juif, et donc va en Palestine, dans cette ville de Tel Aviv, qui est tout juste naissante dans les années 20. C'est ça. Donc, la première partie du voyage se fait en train, et beaucoup ne pouvaient pas se payer un voyage comme ça. Donc, le père de Sitchin était comptable, donc il avait un certain statut, donc ils avaient les moyens de se payer ce voyage en train. Oui, on a lu des documents, enfin, je lui ai montré à l'époque quand je travaillais sur le livre. Franchement, on ne s'en rend pas trop compte aujourd'hui. On a la chance de ne pas avoir connu la guerre et j'espère qu'on la connaîtra jamais. Mais il y a des choses affreuses, quoi. Hein. C'est vrai que dans les années, entre les deux guerres, c'est épouvantable, hein, les répercussions sur le monde. Et puis, et particulièrement pour les Juifs. Donc, du coup, voilà, ils ont fait ce voyage en train pendant 3 jours. Ils sont arrivés à Odessa et ensuite ils ont pris le SS Lénine où il y avait 371 migrants juifs et il faudra 12 jours à ce SS Lénine pour arriver à Tel Aviv. Voilà. L'enfance, la jeunesse de Zecharia Sitchin à Tel Aviv, elle est marquée par des premiers apprentissages. Ces apprentissages, ils sont d'ordre religieux. Oui, 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 c'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. De toute façon, Tel Aviv, c'est le centre de la culture hébraïque. Hein, donc, c'est aussi pour ça qu'ils y sont aussi, j'imagine, au-delà du fait que ça soit une ville qui soit moderne, confortable. Et
Très jeune, Zachary Sitchin va à l'école biblique. En tout cas, quand il arrive là-bas, il a 5 ans. Et dès l'âge de 9 ans, il est à l'école biblique. Donc voilà, il s'intéresse bien entendu à tous ces sujets. Il faut savoir qu'à cette époque-là, justement, on était en pleine découverte, même si on l'avait découvert encore un peu avant, mais en pleine découverte des textes sumériens, justement. Donc j'imagine qu'à l'école, on devait régulièrement dire, ah, on a trouvé ci, ça, ou tel site, ou cet éminent chercheur a traduit cette tablette, la fameuse tablette du déluge, par exemple, que tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà, entre autres. Donc il a été baigné là-dedans. Mais dans les biographies plus ou moins officielles autour de Zecharia Sitchin, on retrouve des infos comme quoi, assez jeune, il aurait été formé à l'archéologie, à ce genre de choses, aux recherches archéologiques en territoire palestinien et dans tout l'Orient. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un décalage entre ce qui sont des études que je comparais au catéchisme que j'ai suivi étant plus jeune, étant originaire d'une famille catholique? En gros, c'est une sorte de catéchisme qu'il suit, Zecharia Sitchin, et en rien une formation de type universitaire autour des recherches archéologiques. Oui, tout à fait, mais avec Annalée, on en a souvent parlé, je vais te laisser parler. Bah, il faut savoir qu'à l'époque où on a Sitchin, déjà dans son enfance et enfin vers la fin de sa carrière, l'archéologie biblique, c'est quelque chose, c'est un vrai champ, entre guillemets, consensuel et normal d'études, et tout le monde cherche des preuves de la Bible dans l'archéologie. Et quelque part, on peut dire que Zacharia Sitchin a été influencé par ce mouvement-là. C'est clair, il a voulu, quand il a entrepris vers la fin de sa vie, comme tu l'évoques, ça ne vient pas du tout de sa jeunesse, il n'a pas été formé dans un contexte universitaire à ce type de recherche, il a voulu conforter quelque part ses croyances avec des preuves. Après, ça l'a amené à développer voilà, toute cette théorie d'évémérisme, d'anciens astronautes. Et là-dessus aussi, j'aimerais quand même rendre un petit peu à César ce qui est à César, c'est-à-dire que ok, il a vraisemblablement, et c'est ce que tu démontres dans cette œuvre de recherche qui est Les agents de l'Apocalypse, tu démontres que c'est a priori une forgerie, que ça a été construit de toutes pièces, cette théorie, mais quand même, il a participé, cet homme-là, Sitchin, à diffuser des théories qui, à l'époque, étaient extrêmement minoritaires. La théorie des anciens astronautes, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez obscur. Robert Charroux, Däniken, hein, Erich von Däniken, ça s'arrêtait Succès là. moderne. Voilà, donc. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est un ambassadeur, même si c'est basé sur de la fabrication, quelque part, on pourrait dire brutalement comme ça, même si c'est pas tout à fait juste, il a permis de diffuser ces idées-là, et en ça, il a quand même fait un travail précurseur. Et voilà, bon, je vous le dis vite fait, mais dans La Déesse cachée, je vous explique très clairement que c'est très loin d'être une construction moderne, la théorie de l'évémérisme et des anciens astronautes, cette idée qu'on a été visité, comme l'explique Sitchin dans sa théorie très personnelle des Anunnaki, elle est soutenue par de très nombreuses preuves archéologiques et par de très anciens débats dont nous gardons encore, grâce à la littérature, des traces. Je vous laisserai découvrir ça plus tard. Donc là, le propos n'est pas de démonter la théorie évémériste, mais de revenir sur les complaisances dont a bénéficié Zecharia Sitchin quant à l'approche qu'on a de ses travaux et de ne pas forcément tout prendre en bloc comme étant une vérité absolue sur cette 12e planète et tous les ouvrages qu'on connaît de cet auteur. Alors, Zecharia Sitchin fait cette formation dans sa jeunesse, un catéchisme d'obédience judaïque. Je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. Et puis ensuite, il part en Angleterre, je crois, C'est ça. pour une formation, cette fois-ci universitaire. Quel est le domaine dans lequel il poursuit ses études? Ben, il part au London School Economics, donc c'est une école qui se concentre sur l'économie. Donc en 1937, il part là-bas. Et c'est là que se trouve le centre du pouvoir financier du monde occidental. Et c'est là qu'on fabrique, paraît-il, tous les grands talents et dirigeants. Je crois que d'ailleurs, JFK a été passé par cette école. Et c'est un cycle de 3 ans qu'il va poursuivre. Il fera les 2 premières années, mais démarre la Seconde Guerre mondiale. Et la dernière année, bah, il va devoir la faire par correspondance. Ce qui Parce n'est que. pas une mince affaire. Ouais.
Parce qu'il faisait quand même régulièrement, faut le préciser, le voyage donc entre Tel Aviv et Londres. Donc il allait régulièrement quand même aller voir sa famille. Il restait la plupart du temps là-bas, sur place à Londres, mais il revenait quand même régulièrement voir sa famille. Et au bout d'un moment, la guerre éclatant, son père lui dit, attends, ça devient trop dangereux. Donc ils ont été bien embêtés, mais il a eu cette possibilité de pouvoir finir ses études par correspondance, et puis il a réussi. Donc c'était voilà, plutôt bien de sa part. Donc oui, Zeka Sitchin revient d'Angleterre jusqu'à Tel Aviv pour finir ses études par correspondance. À cette époque-là aussi, dans les années 40, il fait son service militaire. Pour qui fait-il son service militaire, puisque à l'époque, l'État d'Israël n'existe pas? Tout à fait. Sa famille vient d'une ancienne république de l'Union soviétique. Sous quel drapeau fait-il son service militaire? Les Anglais, la Palestine, les Anglais sont garants de la Palestine en fait. D'accord. Donc il fait son service militaire pour les Anglais. Donc alors on voit sur cette photo exceptionnelle, on voit Zakaria Sitchin d'ailleurs, voilà, qui est en haut à droite. Lors de la lutte contre les Allemands dans le désert égyptien. Donc il a 23 ans à cette époque-là. Et donc il appartient donc c'est la 7e ou 8e armée britannique? 8e. Donc, il participe au combat contre les troupes du général Rommel C'est ça. en Égypte, C'est ça. tristement célèbre. C'est ça. Bon, après, j'ai lu il y avait peu de juifs qui avaient les armes. Hein. J'ai cru comprendre que voilà, ils étaient plutôt en renfort au cas où. Ils s'occupaient des infrastructures, mais on ne leur avait pas spécialement donné des armes. Mais la manutention et l'intendance, c'est quand même une épreuve dans le contexte de la guerre, même quand on n'est pas au front. On imagine à quel point c'est une expérience qui a dû marquer le jeune Sitchin et qui, c'est certain, a influencé toute sa conception et sa thèse autour de la 12e planète, cette histoire de guerre dans les cieux. On sent que ça a forcément laissé son empreinte dans son esprit. Alors, Zekaria fait ce service militaire, cette guerre se passe. Quelle est la suite de son parcours et de son développement? Entre-temps, il se marie quand même. Hein, pendant qu'il est à la guerre, il trouve le moyen et le temps, fort heureusement pour lui, de se marier. Et il va devenir très rapidement, en 44, donc un an avant la fin de la guerre, il va devenir greffier adjoint à la municipalité de Tel Aviv. Donc là, on sent que voilà, le parcours commence à se préciser, dans sa tête en tout cas. Alors j'explique avec pas mal de détails hein, dans le livre comment ça se passe. Je pense qu'il a été déjà repéré à l'époque par les services secrets palestiniens. Et je pense même, j'explique aussi que je pense que ce sont même eux qui l'ont envoyé à l'école à Londres. Donc tout ça est vraiment bien détaillé. Et voilà, ils vont miser sur ce gars, hein, tout simplement. Hein. Il a le profil pour pas être un homme de terrain, mais à être un intellectuel qui va travailler pour le futur État hébreu. Ce qui est intéressant dans cette histoire de service secret, c'est que souvent on a cette espèce d'iconographie qui colle à la peau. On voit James Bond, un bel homme sexy et très brutal. Faut bien se rendre compte qu'en réalité, la plupart des espions sont ventrus, ventripotents, un petit peu avec un air totalement innocent et qui ont conféré le bon Dieu sans confession. Pourquoi? Parce que justement, on ne les voit pas. Ils sont complètement anonymes. Ils sont débonnaires, ils sont sympas. Ils ont un job qui sert. Pas vraiment rien, mais un job un petit peu anonyme avec un intitulé très vague qui leur donne en même temps des accréditations, des possibilités de rencontrer du monde et de créer de la connexion. Et c'est bien ça le boulot central d'un espion, c'est d'être en connexion et de récolter des infos. C'est pas être James Bond et sauter sans parachute d'un hélicoptère. Oui, effectivement, à l'opposé de l'image d'Épinal qu'on a des agents secrets. Donc, pour toi, Anton, Zekaria Sitchin recruté comme agent secret du futur État israélien, à quelle période
dans son parcours, Zeka Lassitchine devient ce qu'on peut appeler un agent du sionisme, c'est-à-dire du retour du peuple juif sur les terres d'Israël, à l'époque qu'on appelle la Palestine dans son ensemble. Déjà, il y a un élément, c'est pour rebondir sur le fait qu'il a fait son service militaire avec les Anglais. Entre 48 et 49, il va devoir refaire son service militaire, mais cette fois-ci à Jérusalem, dans l'armée israélienne. Et là, c'est tellement pas un homme de terrain qu'il va demander à être agent de police, en fait. Il va travailler pour la municipalité, la police municipale, en fait. Voilà. C'est un intellectuel, c'est un homme très intelligent. J'en parle dans le livre. Je pense qu'il a été repéré pour ses capacités de mémoire. J'explique aussi dans l'ouvrage qu'il y a le Mossad, qui est l'agence suprême israélienne Renseignement. de renseignement. Il y a plusieurs tests comme ça. Et lui, il a parfaitement le profil du gars qui va savoir mémoriser des choses absolument incroyables. Parce que justement, comme on l'évoquait au début de l'émission, quand on est dans le contexte, on va dire, de la foi hébraïque, généralement, les hommes, quand ils vont à la yeshiva, ils apprennent des tonnes de textes. Et quand je vous dis des tonnes, vous n'avez même pas idée de la quantité de textes qu'il faut savoir ingurgiter, mémoriser et restituer. Et ça fait partie, à mon avis, des prédispositions, comme tu l'as évoqué, qui sont clairement décelables chez un personnage comme Sitchin. Oui, et donc de toute façon, après 48, il va très vite se retrouver dans les bureaux, Sitchin, dans les bureaux de Tel Aviv. Et qu'est-ce qu'il y a dans les bureaux de Tel Aviv à cette époque-là? Bah, il y a le Mossad, qui travaille d'ailleurs conjointement avec le bureau d'à côté, qui est celui de la CIA. Très intéressant. Donc j'en parle, ça, avec pas mal de détails aussi dans le livre. Et puis, son domaine de prédilection, de toute façon, c'est le commerce, hein. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Tel Aviv, c'est vraiment l'endroit où il faut être pour faire du commerce. J'explique aussi qu'à Tel Aviv, à l'époque où il est arrivé, il y a aussi comment ça s'appelle, une foire absolument incroyable, la foire du Proche-Orient, qui est ultra connue, qui se passe à Tel Aviv. Alors pas tous les ans, mais c'est tous les 2, 3 ans. Et je pense que ça va l'inspirer aussi, quelque part. On imagine Sitchin à 5, 6, 7 ans, 8 ans, voir ces foires incroyables qui rassemblent un monde. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi le retrouver un peu plus tard en 64 à la fameuse foire de New York, qui sera un moment clé, on va en parler un peu plus loin dans sa carrière. Mais c'est un homme d'affaires. Bah, c'est un polyglotte et c'est un homme qui est au carrefour de plein de cultures. Ça lui a considérablement donné des facilités pour créer ce carnet d'adresses qui est indispensable quand on bosse pour des services secrets. Exactement. La suite, donc tu parlais du Mossad, de la CIA, la connexion est toute trouvée, d'Israël, Zeka Sitchin part aux États-Unis. Là, dans quel cadre ça se fait, ce mouvement vers l'Amérique du Nord? Eh bien, le Mossad est créé en 51 et Sitchin part en 52. Déjà, c'est intéressant. Et sa mission, c'est faire du commerce intensif entre les Amériques et son pays, tout simplement. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, tous les agents qui sont envoyés aux États-Unis ont pour mission d'infiltrer les missions diplomatiques de l'ONU ou bien de s'intégrer au système de l'économie du commerce. Et lui, c'est son cas. C'est pas compliqué. Et il y a un autre point aussi intéressant, c'est que depuis 49, les fonds récupérés sont en baisse à New York, les fonds récupérés par l'État hébreu, Pour financer l'État financés, d'Israël. oui, voilà, qui vient d'être créé en 48. Et donc, Sitchin, son intérêt aussi et sa mission, c'est de relancer l'intérêt des Juifs américains dans l'économie d'Israël. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Juifs américains sont garants justement de la sécurité d'Israël. C'est vraiment intéressant. Ils versent des centaines de millions de dollars, hein, pour le jeune État qui vient d'être créé, quoi. Ouais, la diaspora juive du côté nord-américain soutient activement l'instauration de l'État d'Israël, Bien tu sûr. disais financièrement. Une fois aux États-Unis, là, on en parlait il y a quelques minutes,
Il y a un événement important qui se produit et Zakaria Sitchin est partie prenante de cet événement, c'est la foire internationale. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'exposition universelle? On est dans le même cas où ce foire internationale, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, alors, c'est vrai qu'on perd un peu sa trace à partir du moment où il arrive à New York. Ceci dit, il devient très vite président exécutif de la Chambre américano-israélienne du commerce et de l'industrie. Incroyable. Un poste Il est là. à haute responsabilité. Énorme. Donc, il vient s'enchaîner. Alors, effectivement, entre 53 et 54, vient s'enchaîner. Il manque 10 ans. Alors, pendant 10 ans, on perd un peu la trace de Sitchin. Alors, bon, j'explique dans le livre, j'ai trouvé quand même quelques traces de lui dans des journaux où on voit que c'est vraiment un businessman très influent. Et c'est vrai que c'est intéressant d'évoquer ce terme businessman parce que là aussi, il est très connoté, on aurait tendance à croire qu'en fait il s'agit juste de récolter du pognon. En fait, non, établir des liens économiques entre pays et des liens même simplement d'intelligence entre services de renseignement, c'est un gage de paix. C'est pas seulement une entreprise d'espionnage malveillant, c'est juste établir des connexions. Il faut bien comprendre que c'est pas un agent qui est là pour semer la zizanie, le chaos, je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui est là pour asseoir la légitimité de son État. C'est une mission quelque part de patriotisme, Il y sans a un doute. aspect diplomatique dans son activité. Confidentiel, mais tout à fait diplomatique. Oui, c'est très clair. Et donc vient peu à peu cette histoire de la World's Fair 64-65, World's Fair qui est quand même inventée comment dire, et financée, etc., à l'époque où de JFK. JFK va mourir juste avant. C'est quelques mois avant le début de cette exposition, enfin de cette foire, C'est qu'il est ça. assassiné à Dallas. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, alors, toi, tu as beaucoup travaillé sur le dossier World's Fair. Je vais te laisser la parole. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire et je te remercie de compléter si jamais je fais Bien un sûr. oubli ou que je commets une imprécision. Ce qui est intéressant dans le contexte de la World's Fair, c'est qu'on aurait tendance à imaginer ça comme une démonstration purement formelle de bah, les pays vont montrer leur spécialité, c'est sympa. Alors pas du tout. Là, on est plutôt sur une démonstration de force et d'ingénierie de la part d'industries, comme par exemple Ford, ou là, on n'est pas sur une industrie, mais sur de la charité, le pavillon UNICEF. On va parler vraiment plus avant de ces sujets spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre le contexte culturel dans lequel baignait alors Zakaria Sitchin. Et on constate qu'il y a vraiment, on parlait d'anciens astronautes, d'évémérisme, il y a tous ces éléments qu'on retrouve à l'intérieur de cette foire. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous sortez du pavillon dans lequel travaille Sitchin, on est déjà environné par une vulgarisation de la culture biblique, donc on se retrouve avec des scènes, avec des petites poupées en cire qui vous présentent des scènes qui vous permettent de vous familiariser avec la Bible, etc. Et vous sortez et vous tombez sur des grandes fusées, vous tombez sur des engins futuristes, sur des téléphones qui aujourd'hui sont l'équivalent des iPhones. On est dans un monde où l'ancien et le nouveau, le futur, se télescopent. Et là, on a du mal à ne pas imaginer la cervelle de Sitchin en train de bouillonner et de se dire, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour arriver à transmettre certaines informations. Alors, il faut savoir aussi que juste avant, en fait, il y avait un souci, c'est que Israël ne voulait pas se retrouver dans cette foire à l'origine. Alors, il faut dire, sans doute à cause des tensions au Proche-Orient, mais aussi la version officielle, c'est que le pavillon aurait coûté beaucoup trop cher, en fait. Et c'est là qu'intervient Sitchin. Sitchin, en tant que businessman, avec tous les noms qu'il a dans sa poche et tous les noms qu'il connaît, et notamment des gens qui travaillent avec Rockefeller, va proposer et va concevoir donc ce pavillon américano-israélien. Et faut savoir déjà aussi qu'à l'époque, le thème de l'exposition, c'est la paix et la compréhension. Déjà, il faut absolument qu'Israël soit sur place, vu le contexte de l'époque. Quand même très important. Et donc, Sitchin, ouais, il va s'occuper du projet et il va coûter de mémoire 2 2 millions. millions, hein, c'est ça? Et à l'époque, c'est une somme qui n'a rien à voir avec nos 2 millions d'aujourd'hui. C'est vraiment conséquent. Et il faut savoir que ces bâtiments et tout ce qui est construit à l'occasion d'une World's Fair, bah, c'est construit puis c'est détruit après. C'est perdu. C'est un Oui, investissement de com pur. exactement. Donc, il est découvert avec des pierres provenant de Jérusalem. Avec du bois rouge de séquoia en provenance d'Afrique, ça coûte une fortune.
Alors, on a mis l'image, hein, quelque part, du pavillon américano-israélien. Enfin, c'est vraiment Une démonstration. belle bâtisse, ouais. Ouais, tout à fait. Pour revenir sur ton livre, il y a quelques anecdotes assez incroyables sur les relations entre les différents pavillons. Je crois qu'il y a un pavillon syrien, Jordanien. jordanien, et il y a quelques tensions entre le pavillon israélo-américain et ce pavillon jordanien. Même un drapeau israélien qui se retrouve hissé sur le pavillon jordanien, c'est. Bah, vu des décennies plus tard, c'est assez incroyable ce qui s'est passé, étant donné le contexte de tensions politiques qui régnait sur le Proche-Orient. Oui, en fait, ce qui a été mal vu du côté israélien, c'est qu'en fait, le pavillon jordanien, il possédait un vitrail représentant la passion du Christ. Il affiche des fragments des rouleaux de la mer morte. Oui, ça fait un peu. Il y a quand même une tension, quoi, Ça parce fait que. règlement de compte, c'est une foire d'empoigne. Oui, en fait, ils sont en train de. Alors, bien entendu, c'est pareil, hein, de son côté, le pavillon américano-israélien de Sitchin va aussi montrer des choses en rapport avec Jésus ou la Bible. Mais voilà, les deux se présentent comme le Holy Land. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que fait très clairement le. D'ailleurs, je crois que quand on entrait dans le pavillon jordanien, il y a marqué Jordan, the Holy Land. En effet, c'est très intéressant de voir, et c'est comme ça encore aujourd'hui, à quel point des opportunités à vocation a priori culturelle et commerciale sont réutilisées pour régler des comptes politiques. Et voilà, tu l'as analysé très finement dans ton ouvrage, et ça serait peut-être un peu long à exposer en détail, mais il faut savoir que voilà, c'est un événement qui a des conséquences bien plus importantes qu'on ne pourrait imaginer. Et pourtant, par-dessus, on a quand même un gros vernis, on va dire, de divertissement. Oui, c'est ça, c'est le mélange des genres qui est assez impressionnant dans cette foire, où les conflits politiques et territoriaux se mêlent à cette grande foire qui est censée en mettre plein la vue à ses spectateurs. Il y a pas mal de personnages importants qui gravitent autour de cette foire de 64. Un dont on va parler, c'est Walt Disney. Alors, quel est le lien entre Walt Disney, alors là aussi, personnage controversé et mondialement célèbre, et cette foire de 64, et du coup le personnage de Zeka Sitchin. Ce qui est très intéressant, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débriefer dans une émission à part, c'est que vraiment Disney a beaucoup de choses à débriefer et beaucoup de choses, on va dire, qui sont très peu connues du grand public et qui sont particulièrement claires dans le contexte de la World's Fair 64. Donc ça, c'est voilà, peut-être plus tard. Ce qui est certain et ce qui est important de mentionner par rapport à sa relation avec Xi Jinping, c'est que Monsieur Disney, il a été impliqué dans ce qu'on appelle la scénographie de la plupart, enfin d'une grande majorité des pavillons majeurs. Qu'est-ce que c'est la scénographie? C'est pas seulement l'aspect esthétique, il était en charge de la conceptualisation du fond, de la forme et de la technologie qu'il y avait derrière. Il faut savoir que Disney, on le voit comme un, je sais pas, un mec qui dessine une petite souris rigolote. Alors pas du tout, c'est un type qui a quand même breveté ou embauché des gens pour créer des animatronics. Qu'est-ce que c'est? C'est des robots anthropomorphes. Enfin, tous ne ressemblent pas à des êtres humains, mais pour l'époque, en tout cas certains, notamment dans le carrousel du progrès, ressemblaient à des êtres humains. Et c'était tellement convaincant qu'à l'époque déjà, on recevait des félicitations pour les comédiens qui travaillaient toute la journée. On leur disait, mesdames, messieurs, c'est pas du tout des comédiens, ce sont des robots. Et là, les gens étaient dépités et étaient hyper choqués. Ils se disaient, mais non, j'ai vu un comédien se produire sur scène il y a quelques... Non, ce sont des animatroniques. Et pour l'époque, dans les années 60, c'était une poussée énorme au niveau de la technologie. Et le carrousel du progrès, il a été reproduit dans certains parcs Disney. Il a même été exporté dans son intégralité dans un parc nord-américain, je ne sais plus lequel, ça m'échappe. Il est très intéressant parce qu'il reprend exactement ce qui aurait pu être le credo quelque part de l'œuvre de Sitchin, c'est qu'il y a un grand et beau lendemain, et ce lendemain, il n'est qu'à un rêve d'être franchi. Et j'ai l'impression, quand on regarde l'œuvre de Sitchin, que c'est quelque part qu'il a essayé de nous communiquer ça. Il a essayé de nous parler d'une vision du futur ou d'un futur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans l'œuvre qui s'appelle Tomorrowland, ou À la poursuite de demain, je crois en français, qui est un film de Disney qui a totalement bidé, alors qu'en fait, c'est le cristal dans lequel se trouvent beaucoup de clés Oh d'interprétation oui.
de films de Disney, et il y a même quelque part Disney lui-même à l'intérieur de ce film. C'est complètement extraordinaire. Il faut savoir donc que quand il a créé Disney tous ses pavillons, il a parlé de beaucoup de choses très personnelles et des choses personnelles qu'on retrouve dans l'œuvre de Sitchin. Comme quoi, par exemple, le pavillon Ford, on s'embarque dans une petite voiture, et c'était ça le principe, c'était arriver à vendre des bagnoles, hein, soyons clairs. Et en fait, quand on voyage à l'intérieur de ces voitures, et c'est les enfants qui poussaient les parents à aller les voir, on voyageait à travers le temps. Je ne vais pas vous parler de toutes les subtilités de ce voyage à travers le temps, mais on va en mentionner quelques-unes ensemble. On voyage du monde des dinosaures jusqu'au monde du futur et on passe par l'arrivée de l'homme sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est tous ces animatroniques reptiliens, faut bien le dire, ça a, à mon avis, eu des conséquences parce que sur l'imagination, voilà, des enfants, sur pas mal de gens, il faut bien le dire. Et ensuite, il y a des clins d'œil sur l'évolution humaine qui sont quand même très surprenants. Il y a des choses qui intriguent, alors il faudrait un petit peu plus de temps et d'images pour les débriefer ensemble. Et je pense que ce voyage dans le temps, bah déjà, quand on, ça me rappelle l'émission qu'on a fait ensemble sur le voyage dans le temps avec la mention de la DeLorean à voyager dans le temps, il y a eu un impact culturel. C'est pas rien. Pour ne mentionner que celui-là. D'autre part, ensuite, il y a eu également le pavillon UNICEF sur lequel Disney a travaillé. Ça relève véritablement de la magie opérative. Il a fait venir 7 enfants des 7 continents avec de l'eau des 7 mers dans le but d'inaugurer le pavillon pour que la paix, l'amour et l'harmonie règnent dans le monde. Ça, c'est juste un tout petit exemple. Mais quand on en arrive à des, on va dire, des choses qui mêlent à la fois la symbolique et la magie, ça laisse déjà entrevoir à travers le voile qui était ce monsieur véritablement. C'était pas seulement un divertisseur de masse. C'est quelqu'un qui croyait que ce qu'il était en train de faire avait une valeur en magie opérative, en sociologie, on le qualifie un petit peu comme on veut, mais il y mettait quelque chose d'autre. Et en ça, c'est un personnage qui est vraiment intéressant, monsieur Disney. Et d'autre part, bah, je finirai quand même voilà, sur ce carrousel du progrès. Il augure dans sa technologie quelque chose qui s'est fait dans le Club 33, sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer, j'espère, un jour dans une émission à part. Explique ce que c'est. Le Club 33, c'est un club vraiment sélect dans lequel ne sont admis que des membres très prisés. Et il est, voilà, pour ce qu'on sait encore aujourd'hui de ce qui fuite et ce qui nous est parvenu à travers la presse, les animatroniques sont au centre des divertissements du Club 33, et c'est certainement au cours de la World's Fair 64 que ce fameux club select, club 33, club d'idéologistes, club de membres privilégiés, club de gens qui avaient l'argent pour participer à des projets spécifiques de Disney a été fondé. Ce que tu viens de nous expliquer, si je devais résumer dans les grandes lignes, c'est d'une part Zecharia Sitchin, sa vision fantasmée de notre histoire et de notre futur. Quand je parle de vision fantasmée, il ne faut pas y voir une approche péjorative. On a tous une vision fantasmée et on essaye le plus honnêtement possible intellectuellement d'enlever ces filtres du fantasme pour se rapprocher de la vérité, mais on a tous une vision fantasmée. Sa vision à lui, qui va se répercuter sur ses ouvrages, elle se construit, elle aurait pu se construire sur la base de cette exposition de 64 et de cet entremêlement entre passé, futur. Et toute cette technologie qui nous est présentée, il y a quelque chose que je comprends moins dans la connexion que tu fais avec Walt Disney, c'est que Walt Disney nous propose un futur enchanté, alors que Zecharia Sitchin, il y a une vision apocalyptique du futur, une vision anxiogène avec cette planète Nibiru qui revient à intervalles réguliers tous les 3600 ans et qui amène avec elle le chaos, les événements climatiques, etc. Là-dessus, on a une divergence sur la vision de l'avenir. Ça, c'est que la surface, parce que quand on gratte bien sous Disney, et j'ai beaucoup, beaucoup de projets à lui, à vous proposer dans le cadre vraiment voilà, d'une émission distincte, on se rend compte à quel point, et c'est ce qu'on voit exactement dans La Poursuite de demain, quelque part, si on pousse jusqu'au bout cette vision idéalisée, enchanteresse ou, je sais pas, presque démoniaque, poussée à un extrême de la réalité, on se rend compte qu'il y a quelque chose de vraiment torturé. À l'intérieur de Disney, il y a quelque chose d'irrésolu et de torturé, et derrière, en fait, toute cette vision fantastique du monde se cache quelque chose d'extrêmement sombre, et c'est bien ce qu'on voit dans La Poursuite de demain. Ah Je vous oui, le vends carrément. c'est très clair. Ce personnage qui vit retranché dans un monde parallèle à l'intérieur d'une bulle temporelle distincte avec ses petites épaulettes et son look, j'ai oublié le nom de l'acteur et je vous prie de m'excuser. C'est Disney et les studios Disney l'ont concédé. Ils ont parlé du père fondateur à travers cette œuvre-là et ils ont voulu quelque part se dédouaner, se désolidariser
d'une vision presque dystopique quand il pousse à l'extrême son utopie. Et c'est très intéressant quand il a construit pas mal, que ce soit le carrousel du progrès ou le small world. Franchement, il me semble que dans une note, tu évoques justement l'attraction du small world qui est présentée lors de la World's Fair. C'est quand même comment on appellerait ça, un ouvrage de divertissement qui, depuis les années 60, tourne en boucle, H24, 7 jours sur 7. Mais qui fait ça? Et si on est vraiment dans de la magie opérative, pourquoi faire un truc aussi étrange? Et ce monsieur Disney avait quand même organisé et prévu de mettre en œuvre des villages autarciques, utopiques. Vous voyez le principe des écolieux? Bah, ce monsieur, il avait déjà théorisé comment on allait faire un écolieu à la Disney. Je vous laisse imaginer un petit peu de quoi ça aurait pu avoir l'air, mais ça, c'est un sujet à part. Je prends une petite minute, Annaëlle, pour que tu précises ta pensée autour de ce terme magie opérative. Quand tu l'utilises, on parle de quoi exactement? D'une influence sur la psyché collective? Oui, on est sur une entreprise de magie. On va dire vraiment, c'est pas juste, tiens, je vais me porter chance, alors je vais mettre trois cailloux dans un gobelet et puis on va prier la terre-mère. Non, on est sur un truc où on se dit, même à leur insu, je vais faire passer à des gens sous une influence, si on y croit, si on croit qu'elle existe, une influence magique. Et par exemple, cette ode des sept mères avec ses sept enfants, on a quand même un travail donc sur le bouclage terrestre, on a un travail sur des mains, enfin réalisé par des mains innocentes, les enfants. Franchement, moi qui ai bossé sur des papyrus très anciens qui font justement intervenir des enfants dans le cadre de rituels magiques, on est, si on veut y croire, sur la continuité de pratiques millénaires à l'échelle de l'humanité. Naïvement, j'aurais tendance à voir des symboles plutôt positifs là-dedans. Et à t'entendre, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse et que le terme manipulation est toujours latent derrière tout ça. Faudrait que Disney puisse s'exprimer lui-même sur la question. Nous, on ne peut que deviner avec les indices qu'il a laissés derrière lui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une volonté de faire quelque chose. Et ce quelque chose a été fait à l'insu des personnes qui sont rentrées, les premières en tout cas, dans cette attraction. Et à partir de là, si on pratique, que ce soit du conditionnement mental, que ce soit voilà, de l'expérience sociologique ou de la magie sur des gens à leur insu, j'estime que même si c'est bourré de bonnes intentions, on n'est pas sur la bonne voie. Je comprends le raisonnement. De toute Une façon, autre. il y a énormément de clés dans le livre, dans le film dont on a parlé, à savoir à la poursuite de demain. Il y a énormément de clés. C'est un film que moi j'ai beaucoup apprécié. On n'a pas très bien compris pourquoi il n'avait pas marché. Il y a beaucoup de lumière dans ce film, mais il est Oui. aussi très très sombre. Et toutes les parts d'ombre dont elle vient de parler sont dans ce film aussi. Et franchement, il y a plusieurs façons de le décoder, ce film. Il faut vraiment que les gens le voient pour qu'ils comprennent bien ce qui s'est passé à World's Fair 64-65, puisque de toute façon, la base du film, c'est ça, hein, je le rappelle. Hein, on se retrouve carrément à l'époque de la World's Fair 64-65. Et Prise dans une bulle temporelle. voilà, c'est fantastique. À voir absolument, donc Oui. un film qu'on ne peut que conseiller à nos spectateurs. Et bon, et sinon, pour en revenir à Sid Sheen, il est bien clair, et on le voit bien à travers les images qu'on a placées et qui défilent, il y a tout pour inspirer Sid Sheen sur place. Vraiment, ne serait-ce que les maquettes qui a régulièrement qui sont présentées, on voit des maquettes de Mars, on voit des maquettes de mémoire de la Lune, je sais plus, peu importe, et souvent avec des bases extraterrestres ou terrestres, on ne sait pas trop, et des objets futuristes qui s'envolent, des navettes ou alors carrément des objets qui vont sous l'eau. Voilà, il y a absolument tout pour inspirer Sid Sheen à ce moment-là. On est quand même à peu près, allez, on va dire, à un peu plus de 10 ans de la sortie de son premier ouvrage. Il y a une autre thématique qui apparaît dans cette exposition World's Fair 64, c'est les mondes souterrains, ce qu'on pourrait appeler l'intra-terre. Est-ce que ça, c'est une thématique qui. Moi, je ne connais pas tous les travaux de Sid Sheen, j'ai lu La 12e planète, mais je ne connais pas toute sa bibliographie. Est-ce qu'il y a, c'est des thématiques, l'intra-terre, qui apparaissent dans ces ouvrages? Bah, bien entendu, puisqu'il s'est intéressé aux textes anciens et que régulièrement dans les textes anciens, que ce soit égyptien, mésopotamien, parce que Sid Chin parle aussi de l'Égypte, hein, bien entendu,
Voilà, on trouve régulièrement les dieux qui se battent sous terre ou qui se réfugient sous terre. Et d'autre part, c'est une théorie qui est nécessaire dans l'absolu, puisque déjà à l'époque, on commençait à avoir des images, même pas forcément très nettes, de la surface des planètes. Et puisque lui est un tenant de la théorie selon laquelle les autres planètes sont et ou habitées, colonisées par des entités extraterrestres qui existent avec leur corps, si on ne les voit pas à la surface, c'est qu'ils sont forcément cachés quelque part. Donc à partir du moment où il se situe dans une époque où les observations ne vont pas dans le sens de ces allégations, il faut bien qu'il ait recours à d'autres théories alternatives. Et c'est vrai qu'en ça, on voit à quel point forcément il baigne dans tout l'univers graphique. S'il avait voulu faire un film de tout ce qu'il a mis comme sujet dans ses ouvrages, tout y est dans ce contexte-là. Et on a même, voilà, on va dire cette hégémonie religieuse avec, il faut bien l'expliquer, dans le contexte où ça s'est passé, il y avait une volonté encore très prégnante de convertir les gens. En fait, il y a même eu un scandale, si ma mémoire est bonne, d'un prêtre qui avait converti de force des gamins, en évangélisant comme ça à la houlette. Il avait pris des enfants dans un coin et paf, il avait évangélisé. Donc Et le on se dit, mais... prosélytisme, il est partie prenante de cette exposition. Et voilà, et c'est absolument pas pour condamner une religion spécifique, c'est pour évoquer le fait qu'il y a la technologie du futur qui se mélange avec la spiritualité venue du fond des âges. Et là, on se dit, dans l'esprit de Sitchin, Ah bah ça oui. a dû faire tilt. Anaëlle, petite anecdote, petite parenthèse quand on est sur ce sujet des intraterrestres et des mondes souterrains. Il y a un film dont tu voulais nous parler, donc pareil, je te laisse nous dire quelques mots là-dessus. Et le film Première sortie, il est aussi appelé dans sa version québécoise, si je me trompe pas, L'intraterrestre, et c'est comme ça que je suis tombée dessus. C'est vraiment une petite perle humoristique, je précise humoristique, sur ce qui s'est passé lors de cette foire 64, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu vraiment, j'en parlais dans les technologies extraterrestres, une autre émission qu'on a fait ici sur Nuria TV, de technologies qui permettraient de vivre en autonomie dans des installations souterraines. Bah là, il faut savoir que dans le cadre de la foire, il y a eu des ventes de bunkers et d'infrastructures comme ça destinées aux civils et pas seulement aux militaires. Et ce film humoristique dépeint les déboires d'une famille qui, croyant voir arriver un hiver nucléaire, s'est planquée pendant plus de 50 ans sous terre dans son petit bunker autosuffisant et une personne en ressort. Je vous laisse découvrir la suite et son décalage avec ce qu'est devenu le Ah, monde. c'est tellement drôle. Avec Brian Fraser, hein, c'est ça. D'accord, donc le film Première sortie avec le titre Intraterrestre du côté de nos amis québécois. Donc un autre livre à rajouter à votre longue liste. Moi, c'est ce que j'adore avec Annel. Si vous avez vu toutes les émissions qu'on a fait ensemble, c'est que ma liste de films à voir s'allonge de semaine en semaine et ça, c'est vraiment génial. Un autre élément qui me semble s'articuler avec tout ça, là je sors de l'exposition de 64 et je reviens sur le parcours de Sitchin, qui est en lien avec l'instauration de l'État d'Israël en Palestine et le statut de colon. Et Oui. quand je vois les images de l'exposition de 64 sur la colonisation d'autres planètes, je ne peux pas ne pas faire le lien, au moins symbolique, avec les kibboutz en Israël Bien et sûr. l'instauration de colonies, de colons israéliens sur le territoire palestinien à l'époque. Est-ce que ça aussi, est-ce qu'on ne peut pas voir dans les travaux et les ouvrages de Sitchin une sorte d'allégorie de ce qu'ils vivaient concrètement avec l'instauration de l'État d'Israël? Si, si, évidemment, et même avec sa thèse sur l'or, les dieux qui venaient chercher l'or pour restaurer la planète Nibiru, ça, on trouve ça nulle part dans aucun texte sumérien. Hein. Donc, il faut savoir que la thèse de Sitchin, c'est les dieux viennent régulièrement sur Terre quand la planète Nibiru arrive, ils débarquent sur Terre, comment dire, ils donnent un petit coup de bâton aux humains, Oui, ils viennent exploiter et terrifier les pauvres humains qui rentrent à voilà, leur service. ils placent des rois, si c'est pas eux qui dirigent sur le moment, ce sont des rois qui parlent à leur place, et surtout, ils vont récupérer de l'or pour, soi-disant, Restaurer l'atmosphère de restaurer leur l'atmosphère planète. de Nibiru. Bon, ça, on trouve ça nulle part, c'est très très clair. C'est une invention de Sitchin, mais cette histoire d'or est intéressante quand on sait qu'effectivement les Alliés, avec l'aide d'agents israéliens, et ça j'en parle dans le livre, puisque un de ces agents sera un très bon ami de Sitchin, on en parlera un peu plus tard, il s'appelle Isaac Chercha, a récupéré, a fait partie de ces gens qui ont récupéré de l'or qui venait de l'Axe.
hein, pour le compte des États-Unis. Et ça, c'est énorme. Donc on retrouve aussi cette idée, quoi. À partir de là, tout fait sens, effectivement, en termes de métaphore. Oui, effectivement, vu sous cet angle-là et sous ce prisme-là, les travaux de Sitchin s'éclairent d'une lumière nouvelle en tout cas, et on ne peut pas y voir une forme de, ouais, encore une fois, une forme de d'analogie entre ce qu'il a vécu concrètement sur toutes les thématiques qu'on vient de voir et le contenu de ses travaux. Du coup, Anton, après 64 et cette exposition mondiale, est-ce qu'il y a des éléments importants qu'il faut signaler sur le parcours de Zecharia Sitchin avant, je le rappelle, 76 et les débuts de sa carrière en tant qu'auteur et chercheur alternatif? Alors, on perd un peu sa trace juste après la World's Fair, mais par contre, durant la World's Fair, il a fait signer un papier très important à Harry Truman, à savoir la reconnaissance d'Israël. C'est Donc, pas rien. papier qui existait, mais qui n'avait été jamais signé, en tout cas à l'époque, en mai 48, à l'époque où Israël est devenu indépendant. Le papier, c'était un papier qui était fait pour la presse, mais Harry Truman ne l'avait pas signé. Et comme Sitchin, et ça beaucoup de gens le savent, comme Sitchin était franc-maçon, et que Harry Truman, tout le monde le sait aussi, il faisait partie de la loge du Missouri, était aussi un grand, très grand franc-maçon. Donc voilà, la connexion s'est faite comme ça, et ils ont pu se rencontrer, et il a pu faire signer ce papier absolument incroyable, qui est resté ensuite dans la famille de Sitchin, même après la mort de Sitchin. Ça, c'est quand même un élément assez extraordinaire de l'histoire d'Israël, des États-Unis et de l'humanité en général. C'est-à-dire qu'on a un homme, Zecharia Sitchin, qui finalement s'avère quand même être un homme de réseau. Tu mentionnais la franc-maçonnerie, là on a typiquement affaire à un réseau, et qui obtient limite les prérogatives d'un chef d'État, c'est-à-dire la signature d'un document mentionnant la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est ça, c'est ça. Non, mais mieux on peut pas faire. Et surtout en plus provenant de Sitchin, hein. Oui, et c'est là qu'on voit, et vraiment, c'est ce que j'apprécie dans ton ouvrage, c'est que c'est sans aucun jugement, sans aucune projection de malveillance, quoi que ce soit. On sait que des tractations non officielles ont toujours cours, et c'est la vie des États, elle est comme ça. Il y a une surface publique, et il y a ce qui se passe en dessous de la Bien surface. sûr. Sitchin a participé à ce qui se passe de manière plus occulte, et on voit à quel point son carnet d'adresses et sa trajectoire a été déterminante. Oui. Et pourtant, en 76, quand sa carrière d'auteur débute, on a l'impression que toute cette histoire qu'on vient de découvrir. Alors là, on est dans une émission sur Nuria et on est obligé de sélectionner des passages. Et moi, je peux que conseiller à nos auditeurs de lire le livre parce que là, c'est vraiment complet. Il y a 400 pages, je le rappelle, écrit dans une police qui permet de condenser de l'info. Avant 76, on a l'impression, pas qu'il s'achète une virginité parce que là, il y aura un jugement de valeur. Et qu'il n'y a pas forcément un regard négatif à jeter sur le parcours de Sitchin. Encore une fois, le but de cette émission est juste de nous éclairer et de nous donner des clés de lecture pour comprendre son œuvre. Mais on a l'impression que tout ce parcours-là est passé sous un voile et qu'on nous présente Sitchin comme un chercheur indépendant qui sortirait un peu de nulle part et qui, à la retraite, aurait décidé de partager ses travaux. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, dans une de ses toutes premières interviews, et j'en parle dans le livre, de mémoire, il dit qu'il est arrivé aux États-Unis au début des années 60, donc à l'époque de la World's Fair, alors qu'en fait, il est arrivé en 52, à l'époque où tous les grands espions, tous les grands agents israéliens se retrouvaient sur le territoire des USA, quoi. Donc, oui, non, mais bien sûr, il a tout fait pour cacher. Tout ce qu'il a pu faire auparavant, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment une méthode des services secrets, en fait, de se cacher en pleine lumière. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à perdre, et qu'est-ce qu'on a de plus grave à perdre, c'est sa sécurité, c'est de se mettre bien en scène, sur le devant médiatique, et de cacher un petit peu qui on est, d'où on vient. C'est pas hyper compliqué à bricoler, surtout dans le cas des années 70. C'était pas comme aujourd'hui avec Internet. Les recherches et les recoupements étaient beaucoup plus compliqués à faire et beaucoup plus laborieux, auraient nécessité même des accréditations journalistiques pour avoir accès à certains documents. Et à partir de là, pour lui, c'était hyper simple d'arriver à se planquer quelque part, à assurer sa retraite. Parce qu'il faut bien comprendre aussi dans les services secrets, c'est qu'il n'y a pas de retraite. C'est comme la mafia, on n'en sort pas ou alors les pieds devant.
Est-ce que vous pensez tous les deux que, à partir de 76 et de ce que vous appelez la retraite, Zeka Sitchin, en parallèle de sa carrière de chercheur alternatif et d'auteur, a poursuivi des missions, ce qu'on pourrait dire d'enfeutrer pour l'État d'Israël? Oui, c'est très clair. Alors là, on va aller un peu plus loin dans l'histoire et on a préparé des diapos pour ça. Alors bien entendu, donc voilà, on a parlé de sa façon de s'y prendre pour se faire passer pour un éminent chercheur qui sortit de nulle part. Et on voit bien sur l'image avec Shankar Pat, par exemple, qui est égyptologue, on voit bien qu'il utilise des codes qui sont quand même propres à l'archéologie. Voilà, pour se faire passer pour un grand chercheur. Sorti de nulle part, je le précise, en fait. Hein, Quand tu dis qu'il utilise ses codes, là ben, on voit sur la photo, il pose avec un oui, avec un artefact. objet archéologique, en fait. Voilà. La même posture, il a aussi un petit peu singé dans sa manière d'écrire, dans le peu que j'ai pu lire, on va dire une tentative de pastiche universitaire. En tout cas, il y a une volonté de se placer sur le même niveau, même s'il est dans la vulgarisation. Et c'est là aussi qu'on voit tout le travail de l'agence, c'est cette capacité à s'approprier les codes d'un milieu. Et là aussi, c'est pas une critique, hein. Moi, je suis même plutôt admirative de cette capacité à faire le caméléon. Je sais pas si j'aurais autant d'habileté à le faire. Et c'est un monsieur dont on voit qu'il a la capacité non seulement à nier sa trajectoire et ses origines, et en plus à se recréer de toutes pièces et à assurer une couverture médiatique qui va dans son sens, à exalter le public. Et à nouveau, moi, je veux quand même lui rendre son mérite, c'est qu'il a réussi à concentrer l'attention du public sur des sujets qui étaient vraiment mineurs à l'époque, en tout cas. En 76, quand sort son premier ouvrage, la couverture médiatique dont il bénéficie, elle est assez importante. C'est-à-dire qu'il y a un effet boule de neige et Zeka Sitchin devient rapidement, porte l'attention sur lui. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait autant de médiatisation sur ses travaux à l'époque? Et est-ce qu'il y a des gens qui s'élèvent intellectuellement face aux théories que lui met en avant? Alors, s'il se passe, il se passe un truc miraculeux, j'en parle dans le livre, je ne sais pas si tu te souviens, c'est que à partir du moment où il sort le bout de son nez, les journaux, en fait, il y a deux, trois journaux au tout début, les toutes premières critiques qui disent très clairement que c'est un businessman. Et ça va, voilà, ça va durer quelques semaines. Après, c'est fini. Après, c'est un éminent chercheur. Un grand chercheur diplômé d'une école qui aurait suivi un cursus archéologique ou en tout cas lié à l'histoire, ce qui n'est absolument pas le cas, comme on l'a bien évoqué au début de l'émission. C'est ça qui est Oui. assez étrange et c'est le discours que persistent à afficher les médias qui sont en rapport avec Sitchin et qui l'interviewent, c'est que c'est pas du tout un homme qui a fait du commerce, c'est en fait un éminent et brillant chercheur à la retraite, ce qui n'est pas. On ne va pas critiquer ni la qualité là de son matériel, on dit juste que ses allégations ne sont pas corroborées par des faits, a priori. Voilà, tout à fait. C'est tout à C'est fait. ce dont on parlait en début d'émission, sur le fait que on voit même dans certaines biographies, à un moment, on fait passer ses études de catéchisme, transposer ce mot sur la religion judaïque, Ouais. on fait passer ces années de catéchisme pour des études sur l'archéologie, sur des fouilles. Et même dans le livre, tu donnes des exemples de toi et d'autres chercheurs qui recoupent les dates. Et en gros, il a réétudié et participé à des fouilles archéologiques entre 9 et 14 ans. Oui, ce qui est impossible. Donc là, on se rend compte que c'est ça, je reprends les termes de tout à l'heure, qu'on achète une sorte de virginité et on recrée un mythe autour du chercheur Zekaria Sitchin. Oui, tout à fait. Non, Sitchin a été dans une école où on apprenait à devenir businessman, tout simplement. Il était businessman. C'est un agent qui a été envoyé par l'État d'Israël pour faire du business entre les USA et Israël. Et ça va même beaucoup plus loin, puisque justement, à partir de 67, il va créer une entreprise avec un gars qui s'appelle Robert Anderson, Robert B. Anderson, qui est très très connu des présidents américains, puisque c'est quand même le personnage qu'il fallait avoir dans sa poche, puisque c'est lui qui va parler à l'oreille de tous
grand président de 45 à 73. On le voit partout. Alors, on a quelques images, hein, un peu plus loin. On le voit partout, régulièrement, voilà, par exemple, avec Johnson, après la mort de Kennedy. Ensuite, on le voit avec d'autres présidents. Et JFK également, bien entendu. C'était le conseiller, le grand conseiller des présidents et américains, et il faisait partie de la CIA. C'est un agent de la CIA, très populaire, ambitieux. Il était là pour faire de l'argent et faire gagner de l'argent à tout le monde. Voilà. Donc. Et donc lui, c'est l'associé, excuse-moi Anel, c'est l'associé de Zeka Sitchin. Ces deux hommes s'associent en 67 pour créer une structure qui consiste en quoi? Ben en fait, c'est une structure. Alors, il y aura un autre gars qui va être sur le coup aussi, qui s'appelle Isaac Chercha, qui est lui-même aussi agent sioniste et sans doute aussi du Mossad, Originaire de Suède, lui? de Suède, tout à fait. Donc, je parle longuement de ce personnage dans le livre, hein. Il faut savoir que le livre, en fait, parle beaucoup, hein, également. Là, on n'en parle que maintenant, mais il parle beaucoup de Robert B. Anderson et de Chercher. Isaac Chercha. Et voilà, le livre retrace vraiment leur parcours absolument incroyable à ces deux personnes qui vont devenir en 67, je pense qu'ils étaient amis de toute façon avant, mais ils vont devenir associés pour créer une entreprise opaque de transport couvert par les États-Unis, très opaque. Dans le livre, tu mentionnes notamment, alors là aussi, arrête-moi si je commets des erreurs d'interprétation de ce que j'ai lu, ou si ma mémoire défaille quelque peu. J'ai fini de lire hier soir, donc normalement ça devrait tenir. Mais cette entreprise de transport contribue notamment à l'acheminement d'armes et de ventes d'armes de certains États vers Israël. C'est ça, cette entreprise Intercontinental Trail Sea Corporation est créée en janvier 67, donc par ces trois hommes, couverts par le secret. Et ils vont donc de janvier 67 à mai 67, envoyer un maximum d'armes des États-Unis vers Israël. Et on sait ce qui se passe ensuite en juin, puisque c'est la guerre des 6 jours. Donc c'est grâce notamment en partie à ces hommes-là que Israël va pouvoir gagner la guerre des 6 jours, très concrètement. Voilà, donc Robert Anderson qui a le bras long. Je parle également d'Anderson dans le livre où j'explique qu'un journal dans les années 80 a découvert qu'il était dans le trafic d'armes. C'était sa spécialité également. Je ne sais pas si tu te souviens du passage, Guillaume, mais voilà, c'était sa spécialité aussi. Donc, parmi tant d'autres, parce que le personnage est totalement fascinant, Robert B. Anderson, j'y passe du temps dans le livre. C'est vraiment un livre qui m'a fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir à rédiger. J'ai eu du mal à le lâcher, hein, quand je l'ai fini. Hein. Je t'avoue. J'y allais franchement à reculons, je vais pas faire un livre sur Sichine, bon bref. Et puis là, je me suis retrouvé dans des ambiances, dans des intrigues, dans des choses absolument incroyables entre des hommes qui ont beaucoup de pouvoir, des agents, et retracer leur histoire et les croisements et tout ce qu'ils ont pu faire ensemble, tout ce qui est connu plus ou moins connu, ça a été fabuleux. Je pensais jamais pouvoir écrire un livre comme ça un jour. C'est vraiment un bouquin sur des agents secrets, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Sichine, Effectivement, il y a finalement, une grande part réservée à ça. ouais, voilà, Sichine se retrouve finalement un peu en arrière-plan et on en parle beaucoup plus vers la fin du livre. Mais je passe effectivement beaucoup de temps sur Robert B. Anderson et Ce chercheur. qui est important, pardon, je me permets juste Vas-y, je t'en prie. préciser ce que tu dis et qui est vraiment très clair, mais c'est pas un livre à charge contre Sitchin, c'est pas un livre qui a pour but de dénigrer ni sa personne, ni son travail, ni rien de ce qui aurait pu toucher ce qu'il a fait. Ce qui est important, c'est de relever certaines contradictions, notamment celles que tu as évoquées, c'est-à-dire, bah, c'était pourtant intéressant d'expliquer son parcours, pourquoi a-t-il orchestré une communication dans le but de dénigrer ça? C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même
une intelligence, un projet derrière ce projet d'écriture. C'est pas seulement de partager le fond de sa pensée ou de ses hypothétiques découvertes, c'est bien autre chose. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait autant mis d'énergie à nier son parcours? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, son parcours, toi, grâce à tes recherches, grâce à tes investigations, tu as réussi à le retracer. Et un journaliste à l'époque, dans les années 70, aurait très bien pu en faire autant et personne n'a pris cette peine. Ouais, tout à fait. Outre le fait que peut-être on avait moins accès à certains documents dans les années 70, vous en parliez tout à l'heure tous les deux, c'était plus facile peut-être de s'acheter une virginité, ou en tout cas de brouiller les pistes dans les années 70, étant donné l'accès à l'information qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Effectivement, et excusez-moi, je reviens sur cette histoire qui est quand même très très importante de Robert B. Anderson. Il faut savoir que Robert B. Anderson a été embauché par le président des États-Unis en 1945 pour récupérer l'or des Japonais. Je passe du Ça, temps à expliquer il cette faut en histoire. parler parce que ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Si tu veux prendre le temps, je te laisse nous expliquer les Voilà. grandes lignes de cette histoire. Bien sûr, en 1945, c'est la fin de la guerre, les Américains arrivent aux Philippines et les Japonais ont planqué énormément d'or à l'époque là-bas. C'est hallucinant. En fait, c'est estimé à 90% du stock réel de ce qui existait sur la planète en 45. Donc, les Américains ont récupéré, je ne sais plus combien de tonnes. C'est colossal, il faut imaginer Si, vraiment. si, 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 plus d'un million de tonnes, voilà. Plus d'un million de tonnes. Et ça correspond à 90% de ce qui existait en or à l'époque. C'est Oui, absolument ça incroyable. c'est de l'or, précisons-le, que les Japonais avaient collecté, alors sur des décennies, hein, Bien sûr. mais de pillage lors de guerre, etc. En gros, c'est le butin de la nation japonaise qui était caché aux Philippines. Et donc Anderson, à la fin de la guerre mondiale, quand les Américains finissent par vaincre le Japon, découvre que l'or est aux Philippines, et c'est lui qui est chargé de rapatrier tout ça aux États-Unis. Ça, exactement. Donc, on a parlé de l'or et de l'association de l'or avec Xi Jinping tout à l'heure. Bah voilà, cette histoire est là en fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Robert B. Anderson va embaucher Isaac Chercha, qui lui-même est transporteur réputé. C'est un des tout premiers à utiliser des conteneurs et des gros bateaux à l'époque. Donc, à l'époque, il est plutôt habitué à travailler avec des Africains. Via à transporter des cargaisons via l'Europe, la Norvège, etc. Et là, discrètement, Chercha va transporter cet or et Robert B. Anderson va avoir pour mission de cacher cet or. Et c'est ce qu'on va appeler, alors certains connaisseurs connaissent peut-être ce mot, le Black Eagle Trust. C'est un fonds qui va servir aux différents présidents américains pour, entre autres, la guerre froide, financer la guerre froide. Est-ce qu'on peut ajouter de Bah, plus? c'est un fonds occulte et il faut savoir que bien évidemment, on a dans tous les États un fonds qui est connu, un fonds qui est approuvé par les institutions démocratiques, en tout cas pour ceux qui vivent en démocratie. Et il y a toujours bien évidemment les fonds occultes, ça fait partie du jeu. Il y a ce qu'il y a, voilà, la politique affichée et la politique en sous-marin. Je parle même pas des deep state ou quoi que ce soit, je parle juste, voilà, de ce qui se passe en dessous de la connaissance du vaste public. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que bah, toi, dans l'ouvrage notamment, tu mets en lumière un message codé que tu avais pu retrouver dans la Oui. presse qui a affaire à cette affaire-là. Et ça aussi, c'est quand même un élément déjà matériel qui soutient très solidement tout ce que tu avances dans cet ouvrage qui est hyper documenté. Et d'autre part, on constate qu'ils avaient, en fait, c'est pas, comment dire, mais on a tendance à vraiment idéaliser toutes ces opérations, à les voir, comme je vous disais, à la James Bond. En fait, c'est pas du bricolage, mais c'est quand même des choses qui se passaient. Bah, ils faisaient comme ils pouvaient pour faire passer leur message. Faut pas le voir d'une manière, voilà, à la James Bond. C'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, ça laisse se poser des questions sur cette somme faramineuse. Moi, quand j'ai lu le chiffre de 90% de l'or répertorié sur Terre à l'époque, ça veut dire que quiconque s'accapare ce butin est le maître du monde. Oui, Soyons clairs. On bien est sûr. face à une caisse noire. Alors moi, qui suis de Saint-Étienne, supporter des Verts, les caisses noires, ça nous connaît. En 76, on nous a envoyés en Ligue 2. Les États-Unis, ça les a pas envoyés en Ligue 2. Ils ont utilisé ça pendant, j'imagine, des décennies pour
pour financer des opérations partout sur la planète et étendre une toile aussi. On va même aller plus loin, allons-y franchement, et chacun se fera l'idée qu'il veut des informations qu'on communique ici. On bascule en début des années 2000, le fameux attentat du World Trade Center à New York. Là, les gens vont se dire de quoi vous nous parlez. Attendez de voir l'information. Le premier avion ou peut-être le deuxième qui s'écrase sur les tours lors de cet attentat détruit certains étages du World Trade Center. Et pour le reste, je te laisse nous dire ce que l'on pouvait trouver en termes d'activité dans ces étages, Anton. Bah, en fait, très concrètement, cet avion a détruit toute trace. Donc, en fait, c'était Cantor Fitzgerald qui était un grand courtier, donc bon du Trésor des USA. Il était situé à 2 étages au-dessus de l'impact du World Trade Center. Donc, on a perdu à jamais tous les certificats. Et en même temps, lors de l'attaque du Pentagone, c'est pareil, on a la destruction a fait perdre toute trace des dépôts secrets du Black Eagle Trust. C'est absolument incroyable. Après, bon, voilà, le pauvre Anderson était déjà mort à cette époque. Mais bon, il y a un lien intéressant à voir avec le World Trade Center. Après, il y a sans doute d'autres raisons, bien entendu, pourquoi qui s'est passé lors de cet attentat, on ne saura peut-être jamais véritablement. Mais c'est intéressant de voir qu'en tout cas, toute trace de ces dépôts du Black Eagle Trust, dont s'est chargé Anderson, ont disparu lors de cette attaque. Voilà. Voilà, là, encore une fois, comme tu dis, ça ne donne pas forcément une explication holistique et globale sur les attentats du World Trade Center, mais la pelote est déroulée et il y a des éléments factuels qu'on vous présente ce soir sur cet argent récupéré, enfin cet argent, cet or récupéré par Anderson dans les années 40 et sur le suivi de cette manne financière et la destruction de traces qu'on aurait pu retrouver dans le World Trade Center sur leur gestion. Voilà, une information qui, à notre avis, méritait d'être partagée. Chacun fera de ses faits ce dont il a envie. Autre chose à ajouter également, faut savoir que cette société-là qu'on crée, donc Sitchin, Cherchat, Anderson en 67, se trouvait à l'origine au numéro 1 du Rockefeller Plaza. Ensuite, elle a été déménagée au 50, mais elle se trouvait au numéro 1. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là se trouvait, dans les années 60, une société écran de la CIA. Que dirigeait justement Robert B. Anderson. Quand même absolument incroyable de voir que les locaux de cette entreprise créée par ces trois bonhommes, en fait, c'est l'endroit même où se trouvaient des bureaux de la CIA. Voilà. Après, on pense ce qu'on veut, mais c'est encore un drôle de hasard. Ça fait beaucoup de hasard. Et justement, tu parles du Rockefeller Plaza, un nom qui revient aussi dans ton ouvrage, la famille Rockefeller. Quels sont les liens qui peuvent être tissés? Je reviens à notre sujet, Zekaya Sitchin, son parcours, ses travaux, entre Zekaya Sitchin et la famille Rockefeller. Il y a l'Institut David Stock des relations humaines qui a été largement financé par la Fondation Rockefeller. Je vais te laisser en parler, tu sauras bien le faire, je pense. La Fondation Tavistock, bah, pour en parler très brièvement, parce que c'est un sujet brûlant et vaste, et il serait dommage d'en débattre sans extensivement démontrer des preuves, c'est officiellement un institut qui est chargé d'études sociologiques, autant dire d'études comportementales. Donc, comme on se disait, par exemple, pour Disney, parfois certaines sont menées à l'insu des participants. Il est avéré que l'Institut Tavistock a notamment planché sur la question de la programmation mentale, donc forcément à l'insu des gens, et a mené pas mal d'études, voilà, on va dire du même acabit sur l'hypnose, sur l'induction de pensée, sur les conditionnements culturels. Donc c'est pareil, on en tire les conclusions qu'on souhaite, mais ce qui est certain, c'est que ce que je vous dis, ça c'est avéré. Ça mériterait, voilà, un approfondissement certain, mais ce qui est sûr, c'est que Zakaria Sitchin n'est pas étranger à cet institut, et quand on sait tout ça, on regarde d'un autre œil l'œuvre qu'il a produite.
Eh bien justement, arrivons, on va pas tarder à arriver sur la conclusion de cette émission. Moi, ce que j'aimerais entendre de votre part à tous les deux, c'est une synthèse sur la manière d'appréhender les travaux de Zekaya Sitchin. Je vous explique le fond de ma pensée. Si, à la lumière de ce que vous nous avez présenté, les travaux de Zekaya Sitchin ne sont pas basés sur des choses factuelles, une traduction correcte des tablettes, sont influencés par un parcours. Comme tout un chacun qui se lancerait dans des travaux, je pense que notre parcours personnel a forcément une influence. Comment doit-on appréhender les travaux de Zekaya Sitchin? Et selon vous, avait-il une vocation autre qu'à nous enseigner une vérité sur l'origine de l'humanité? Et en d'autres termes, les travaux de Zekaya Sitchin sont-ils l'outil d'une cause qui le dépasse lui? T'as envie de démarrer? Vas-y. Ah, c'est avec plaisir, merci de me permettre de parler en premier. Alors, ça sera très synthétique, mais il est clair que, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, la meilleure chose que puisse faire un espion qui ne partira, ou un agent, ou peu importe, quelqu'un qui a travaillé dans des choses un petit peu louches, un petit peu dures, et sur lesquelles il ne recevra aucune protection, quelle qu'elle soit, eh ben, il vaut mieux, puisqu'il partira jamais à la retraite, qu'il assure ses arrières. Et tout simplement, il apparaît que le personnage de Sitchin, soit lorsqu'il rédige ses ouvrages et qu'il crée ce personnage médiatique, dans la tentative de créer, on va dire, déjà un écran de fumée pour qu'on ne comprenne pas exactement qui il est, d'où il vient et pourquoi il fait ça. Après, je ne dis pas qu'il n'a pas, dans son ouvrage, transmis des connaissances occultes ou des convictions personnelles qui lui appartiennent et qui lui sont propres. Ça, là-dessus, je ne me prononcerai pas. Ce qui est certain, c'est que son modus operandi, il est clairement celui du doxing ou du blackmailing qu'on pourrait opérer à l'encontre d'institutions comme la CIA, la NSA, le Mossad, où on s'affiche en public, on démarre en codé, on dit « Moi, je connais des noms dopés, je connais des noms d'agents, peut-être parfois même clandestins, qu'on cache très subtilement dans son ouvrage ou dans sa proclamation, dans voilà une prise de parole bien publique. » Et à partir de là, on se situe comme une personne qui est prête à faire n'importe quoi, y compris à divulguer un secret d'État bien lourd, si jamais on lui fait quoi que ce soit. Et il apparaît que toute la stratégie de communication de Zekaya Sitchin, elle semble en tout cas, d'après les éléments que tu as mis en évidence et que tu as récolté soigneusement dans ton travail d'enquête dans l'ouvrage Les Agents de l'Apocalypse, soit dans cette dynamique-là, il est là pour se protéger, pour s'afficher en public, pour dire aux institutions qui pourraient tenter de l'éliminer discrètement pour faire disparaître avec lui tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu voir de compromettant pour des États ou des personnes. Et qui se donne bien en spectacle pour dire attention, je suis prêt à tout. Merci pour cette vision-là, Anaëlle. De ton côté, Anton, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Je finis effectivement le livre sur le parcours de Sitchin. J'épluche vraiment la façon dont il s'y est pris pour traduire du sumérien. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des soucis, puisque à aucun moment il donne, à part les textes de l'Enuma Elish, c'est quasiment le seul document qu'il utilise pour expliquer sa version de Nibiru. Et c'est totalement sorti de son contexte, puisqu'on sait que en fait Nibiru serait pour les experts une phase de Jupiter, une phase de Jupiter. Bon, moi personnellement, j'explique Nibiru d'une autre façon. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas ma thèse, j'explique que, et elle va dans le sens de celle de Velikovsky, Emmanuel Velikovsky, qui explique que Vénus n'était pas à sa place auparavant. Et donc, dans pas mal de mes ouvrages, j'explique avec beaucoup de détails qu'en fait, Vénus était Neb Eru, le seigneur Horus, ça veut dire ça en égyptien, seigneur Horus. Et parce que dans les textes égyptiens, on voit bien qu'à chaque fois que Horus fait des batailles, il profite de l'arrivée de Vénus dans le ciel. Et c'est pas simplement Vénus qui arrive dans notre ciel tranquillement, c'est Vénus qui arrive avec fracas et qui crée vraiment de gros dégâts. Donc là, ça fait partie de ma thèse que je développe depuis pas mal d'années et qui me paraît assez plausible. Maintenant, pour revenir sur Sitchin, voilà, il détourne assez régulièrement des textes. Je démontre, je passe quand même un petit moment à la fin du livre, tu as pu le constater, Guillaume, sur ses traductions.
En fait, à chaque fois qu'il parle de Nibiru, jamais il ne cite de texte concret. Il dit, ah bah tiens, voilà, la princesse, je sais plus quoi, venait du Nibiru. Ou alors le grand-père d'un tel allait venir de Nibiru. Ou alors ils ont tous pris leur vaisseau pour aller sur Nibiru. Mais enfin, voilà, c'est autant dans ce cas-là, écrire des romans, et ça passera beaucoup mieux. C'est très clair. De toute façon, sa thèse sur Nibiru posait tellement problème qu'il a dû, vers la fin de sa carrière, écrire un livre qui s'appelle Le livre secret d'Enki, je crois qu'il s'appelle comme ça, le C'est ça, je livre, crois. il me semble, Livre hein, perdu, ou secret. où en fait il invente des textes qui n'existent pas. En fait, les différents éditeurs ont joué avec cette information et je le déplore vraiment. En fait, il ne traduit aucun texte dans ce livre. Il ne fait qu'inventer des textes sumériens qui parlent. Alors là, on a Nibiru à toutes les sauces. Mais en fait, il utilise des textes qu'il aurait aimé trouver, mais qu'il n'a jamais trouvé, puisque voilà. Et en fait, voilà, on a beaucoup de détails sur Nibiru, mais ces textes sont inventés. Et en fait, c'est extrême. Enfin, c'est pas clair. C'est dans le livre, c'est pas expliqué. Bon, bah voici une évocation très personnelle de Nibiru. En fait, on a vraiment l'impression qu'il traduit des textes qui existeraient. Donc voilà. Après, c'est beaucoup, bien sûr, c'est vraiment détaillé dans l'ouvrage. Je parle avec beaucoup de précision de comment il s'y est pris et comment il traduit ces textes. Mais sa thèse sur Nibiru ne tient sur absolument rien du tout. Et j'en suis désolé, je suis le premier à déplorer cette histoire parce qu'elle est fabuleuse quelque part. Pourquoi pas? Moi, comme je l'ai dit, hein, je suis pas contre cette idée d'une planète qui revient cycliquement. Hein. C'est pas un souci chez moi. Sauf que voilà, ça ne peut pas être la planète Nibiru avec des Anunnaki qui vivent dessus. C'est impossible parce que ce n'est pas écrit comme ça dans les textes sumériens. Jamais. Après, maintenant, faut bien le dire, Zagar Chetty était un personnage absolument incroyable. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Il n'est pas là, comme l'a précisé Anaël, pour démonter le personnage. Bien au contraire, je pense que j'ai fait même plus de publicité qu'autre chose. C'est pas le souci. Non, c'était un personnage vraiment incroyable, et il a apporté au grand public la connaissance de ce qu'était Sommer et certaines versions très anciennes de l'Égypte, etc. Il a apporté beaucoup de choses. Si on enlève tous les Nibiru qui sont à toutes les deux, trois pages, on a un travail qui est dans son ensemble très sympathique. Après, je suis pas d'accord avec tout, mais franchement, il a fait un très bon travail. Bon, voilà, le problème, c'est Nibiru à toutes les sauces, toutes les deux, trois pages, ça casse un peu le rêve. Mais il y a peut-être effectivement une raison cachée, comme l'a expliqué Anaël. Peut-être que, est-ce qu'on le saura vraiment un jour? Je ne sais pas, mais peut-être que tout ça est en fait codé quelque part. Venant de lui, ça ne serait pas étonnant. Merci infiniment à tous les deux pour le temps que vous nous avez consacré sur Nuria TV, pour toutes ces explications. Voici une émission qui, encore une fois, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, mais n'est-ce pas là aussi notre mission de vous amener tous à réfléchir? Antoine et Annaëlle, un grand merci pour votre participation à cette émission et j'espère vous revoir très prochainement. Merci à toi, Merci. Guillaume. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci à tous les deux, prenez soin de vous. Les amis, merci à vous d'avoir suivi cette émission dans son intégralité. Avant de vous quitter, je ne peux que vous rappeler et vous inviter à lire cet excellent ouvrage, Les agents de l'Apocalypse, projet Rising Nibiru par Anton Parks. Je pense que vous ne regretterez pas les longues heures passées à lire cet ouvrage. De mon côté, je vous dis à très vite sur Nuria TV. Prenez soin de vous également. Et puis surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, la tête peut-être pas dans Nibiru, mais en tout cas dans les étoiles. À très bientôt. Ciao! Thank you.